Et on se retrouve, j'ai enfin fini la quête donc, où il fallait vaincre des vers. Et donc, collecter cristal du G-Lapin. Ok, donc maintenant on va devoir aller tuer du G-Lapin. Donc j'ai lancé une nouvelle quête que j'avais via un livre. Attendez, je viens de me rendre compte que vous voyez que la moitié. Est-ce que je peux... Non, je peux pas trop plus. Est-ce que si je fais ça... Non, bon ok, dommage. Alors, je suis désolé si vous voyez que la moitié de l'écran d'affichage du bas. J'ai craft le glaive des sprites. Donc, parce que mon sprite est allé chercher des ressources. Et donc c'est ce livre là qui m'a permis d'aller de lancer une quête et ensuite de la valider. Donc je vais voir un truc vite fait. Ok, je peux crafter ça, donc ça c'est cool. Je lui ai demandé d'aller chercher du minerai de bronze. Je n'ai moins, mais je peux avoir des pierres. Je vais lui demander d'aller chercher ça. Voilà, donc aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on va faire? On va commencer par aller voir le marchand d'armure qui est juste là. Pas d'armure celui-là. Je vais vite fait. Des projectiles, ça c'est cool. J'ai combien d'argent? J'ai 12, 45 de comme ça. C'est cool, je pourrais me prendre un bon petit sac, 6. Et les autres c'est... ok, les autres c'est beaucoup plus cher. Donc je vais m'en prendre un comme ça. Un seul, voilà. Un seul, là, ça suffit largement. Donc je vais le glisser là. Oui. Voilà, de la place débloquée, ça c'est fait. Alors, donc on va aller voir le marchand d'armure, comme ce qu'on avait dit. Marchand d'armes déjà. Alors, acheter, vendre. Donc on peut s'acheter une épée en fer, 72. Une épée en fer raffinée, mais c'est pour le level 10, donc je vais essayer son B. Bouclier. Un bouclier. Oui. Le mien est meilleur. Faut l'avouer, le mien est meilleur. Donc je vais laisser tomber. Donc, je vais juste... Non, mais non. Je vais parler à mon sprite. Hop. C'est bien mon petit. On va crafter cette... non, on va aller rechercher une dernière fois. Voilà. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller parler... attendez, où est-ce qu'il m'emmène? Ouais. Hop. Parler. Voilà. Et maintenant, on va aller dans le petit livre et valider cette quête. Voilà. Et maintenant, on a un nouveau, encore un autre sac qui nous permet d'évoluer encore plus de place. C'est cool. Donc, ensuite, donc, clé du G-Lapin. Donc ça. Là, on va devoir aller tuer du G-Lapin pour à la fois XP et à la fois finir les quêtes. Alors, je fais vraiment les quêtes, hein. Sur mon autre personnage, je les avais quasiment pas faites. Et j'ai eu tort, je l'avoue, j'ai eu tort. Alors attendez, je vais juste aller voir. Est-ce que j'ai pas de nouvelles compétences? J'ai que dalle. J'aime pas ne rien avoir. Donc on va aller taper celui-là. Donc ils sont level 6, moi je suis level 7. Il va falloir que j'arrive. Donc là vous voyez, j'ai même pas d'épée. Puisque elle se met au level 8 et j'ai oublié de paix avant de la crafter. Mais ce n'est pas grave. Donc on a notre clé du bateau. C'est cool. On va au passage EP. Ce serait cool aussi. Hop. On va parler au sprite. Qu'est-ce qu'il y a? T'inquiète pas. Et on va aussi lui donner un petit biscuit. Hop. Ça remonte le moral du sprite, voilà. Collection, bah c'est pas grave, tu vas aller en rechercher. C'est pas grave, t'inquiète pas. Hop. Je vais passer une petite poussière, là. Nickel. Alors, bientôt up, on va s'en prendre un autre.
J'ai de sable. Voilà, on récupère. Même si ça ne sert pas en soi à grand chose. Si. Attendez, est-ce que je pourrais pas activer? Est-ce que j'ai réussi en... Ouais, je crois que j'ai réussi à en activer une. Attendez, j'en avais combien? J'en avais 4. Ouais, c'est bon, j'en active une. Donc là, j'ai un bonus d'XP pour 30 minutes. Faudrait que je prenne des charmes d'expérience pour la ruine. Ça pourrait être pas mal. La ruine, c'est vraiment le donjon qui fait XP. Alors, vraiment, le donjon. À pouvoir éteindre la prairie, ça c'est cool. Je vous expliquerai à quoi ça sert quand on en aura besoin. Vivement le up quand même. Potion de vie, c'est cool. Hop, allez. Meurs, meurs petit, j'ai lapin. Hop, et voilà, c'est nickel. Je vais enfin pouvoir mettre mon épée. Yes. Voilà, nickel. Alors maintenant, on va aller voir. Hop, celui-là. Falloir collectionner des cristaux de gélapin aussi. D'abord, on va terminer cette quête-là. C'est qui c'était? Ok, c'était lui. Terminé. Yes. Yes, mec. Fermé. Ok, je vais remettre la clé du bateau. Je vais aller lui rendre la clé. Hop. Hop, c'est parti. Yes. Des petits crabes. Oh, on va faire ça. Ça sert. Hein. Alors, qu'est-ce que tu as toujours pas trouvé? Oh, mais c'est pas grave. Fait rire. Ok, alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est que on va aller chercher déjà celle-là. Donc on va aller se balader au spawn, on va dire. Hop là. Petit crabe côté, donc c'est bien cela. Vous allez voir, quand on va arriver dans la grande ville, ça va être énorme. On va avoir toutes nos nouvelles compétences, ça va être cool. Déjà? Ok, premier. Ah oui, alors ça, c'était une quête qui était répétitive, qui peut être répétée. Et ça, c'est vraiment cool parce qu'elle XP énormément. Pour ce level-là, elle est vraiment nickel, cette quête. Et un de plus. Et tellement simple en plus. Puis elle donne pas mal d'argent, ça c'est aussi cool. Ok, toi tu m'agresses, mais je dégage. Ah, des cloches d'incantation, ça c'est cool. Oh, mais c'est génial. Alors les cloches d'incantation, alors celle-là c'est pour les mages. Ça permet de... Ah, nickel, il est content. Ça permet de faire spawner des... Comment ça s'appelle? Des... Oui, là il est encore plus content. Des d'autres sprites et pouvoir les entraîner. Donc ça c'est cool aussi. Hop. Alors on va ensuite aller continuer à taper du mob. Hop là. Ah moi les petites chairs de crabe. Alors qu'après vous allez voir, quand j'aurai mes sorts de zone, ça va être génial parce que je vais prendre 5, 40 aggro de petits mobs comme ça. Et je vais tous les one-shotter, ça va être énorme. Ça fait énormément, énormément de d'un coup de beaucoup de chair de crabe. Donc pour la quête. Dégage. Alors, qu'est-ce que tu me racontes toi? Alors. Merci. Alors, qu'est-ce qu'il me faut pour crafter celle-là? Ah, l'épée géante. Il me faut des minerais de fer et des gemmes. Ok, donc du coup, on va aller chercher cette fois-ci de la forêt. Non, de la jungle. Non, oh oui, non, c'était ça. Hop. Va chercher mon petit. Gentil. Alors, c'était. Il m'en manque plus que deux chairs de crabe. Et ça, c'est une quête
une quête qu'on a, on peut répéter immédiatement, donc je la ferai hors caméra pour XP à max, parce que vous allez voir ça XP à une vitesse. Voilà, hop, j'ai tout. Voilà, maintenant on va aller agresser celui-là, parce que de toute façon, si on va passer, il nous agresse. Donc on va aller directement le défoncer. Nickel, hop, maintenant on va aller voir celui-là. Le personnage, le PNJ qui nous a donné la quête. Alors je vais vous expliquer maintenant parce que j'ai pas grand chose à faire de plus. Les pouvoirs éteints de la prairie, ça permet d'obtenir des bonus de. Comment ça s'appelle ? Des bonus de réputation auprès des messagers des sprites. Donc ça c'est cool. Hop. Ah oui, d'accord, je choisis. Hop. Ah non, alors c'était pas celui-là qui donne la quête répétitive, mais on va aussi collectionner des chairs de crabe. Mais ce n'est pas celui-là. Donc maintenant on va aller voir les jets lapins. Pour obtenir des cristals de gel lapin sautillant. Donc objet de quête, donc normalement on drop quasiment à chaque fois. On t'a trouvé, nickel, c'est bien. On recommence, hop, allez hop. Donc là c'est des petits gel lapin dodu. Donc là on continue à avancer. Ah voilà, c'est les verts. C'est les verts qu'on doit démonter. Alors ils sont level 7 et moi je suis level 8, donc c'est. Donc je suis sûr de gagner, hein, évidemment, mais si j'enchaîne les combats, ça risque d'être un petit peu plus compliqué. Et on tape. Hop là, nickel, un de plus. Hop, on continue. Hop. Alors, il nous en manque encore 5. Ah, t'es revenu. Nickel, alors on va. Ah non, il nous manque plus qu'une pierre. Et ensuite on pourra crafter notre méga épée pour faire EP notre sprite. Hop, on va le faire vite fait, bien fait. Hop, proprement. Hop, hop, hop. Et on va. Ah bah non, il nous en manque encore deux, je suis bête. Hop, on continue. Vous voyez, là le début est un petit peu barbant, j'en conviens. Mais quand on aura les compétences de classe, vous allez voir, ça va aller un petit peu beaucoup plus vite. Hop. Voilà, là cette fois-ci c'est bon. Donc on va voir le gars. Hop là. J'aime pas passer à côté des facochères. Des facochères. Voilà pourquoi. Je viens de me faire aggro. Vous voyez, derrière. On va reprendre le contrôle. On va l'attendre. Il est pas là. Ok, c'était un gros, c'est pour ça. Alors, dis-moi, t'es où, PNJ? Ok, c'est toi. Ok, c'est cool. Ok, alors déjà, sprite. Nickel, maintenant tu vas pouvoir fabriquer une épée géante. Alors, donc. Qu'est-ce qu'il veut? Ah oui, d'accord, ok, il veut que je lui parle à lui. Hop, hop.
Ah d'accord, alors là, vaincre un cochon sauvage. Alors regardez ça, ce dragon là. Ça c'est trop la classe, c'est un joueur qui l'a en tant que monture. C'est vraiment la classe, c'est magnifique. Moi comme monture j'aurais celle-là là derrière. Ah! Celle-là là. Le Kushogo. Ça. Ça voilà. Alors, mon petit. Merci. Alors, ok, donc voilà, on va recraft. De se reposer puis en faire. Donc là, il n'y avait plus rien à faire. Alors, vaincre un cochon. Des cochons, alors. Ah oui, alors c'est les cochons sauvages, pas les agressifs. Attention à ça. Là, c'est la technique parce qu'ils agressent, alors faut pas passer trop près d'eux. C'est quoi ça? C'est un gros, il y a des gros partout, c'est n'importe quoi. Je vais me faire démonter. Voilà, premier. Ah, mais il avance. Pourquoi il avance plus? Ok, j'en ai rien à battre. De toute façon, j'ai mes potions. On les a pas finis, assez bon, non? C'est bon? Apparemment, c'est bon. Alors, cochon sauvage, c'est ces machins-là qu'on doit démonter. Hop, on va commencer par l'aveugler, comme d'habitude. Nickel, one shot, quasiment. Tour shot, ouais, nickel. Alors, est-ce qu'il... Ok, il faut juste les vaincre, ils ne lootent rien de spécial. Merci. Alors, je crafte en boucle, hein, c'est. Je crafte en boucle comme ça. Ah oui, ça faudrait aussi que je pète. Nickel. Hop. Alors, des fois il y a des trucs intéressants. Alors, c'est bien. Alors, épée favorite. Chef en matière de fabrication d'épées, j'aime créer. Mais dégage! Tu m'interromps dans ma lecture. Donc, je disais. Parce qu'une bonne poignée de main permet à chef de faire. Mais, t'as pas fini, toi? C'est bon, oh. Rage pas. Voilà. Ok, nickel. Alors là, c'est sauvage. Là, par contre, on est au milieu de tous les sauvages, donc si on se fait agresser, on est mal. Ok, il a juste looté un petit sac. Sauvage. Hop. Allez, hop, c'est fini. Nickel. Alors, les suivants, on va aller voir. Ça, c'est des sauvages aussi. Ah non, là, il y a un sauvage. Ils se mettent tous contre moi, ça, c'est pas cool. Vous allez voir celui-là, s'il passe juste encore un tout petit peu plus à côté de moi, il va m'agresser. Voilà, vous voyez, il m'agressait. C'est cool, je vais crever. C'est encore moins cool ça, il y en a plein, il y en a trop là. Saleté de petit cochon. Donc, terminé. Maintenant on va voir le mec. En espérant qu'on va pas se faire agresser. Ah là là. Oh, ok, bon, je suis agressé. Ah, attention.
Oh, j'ai pas été agressé, mais c'est génial. Alors, va lui donner à lui. Terminé. Alors, choisissez donc. Alors, ça, c'est quoi? C'est. Je peux en cuire plus de 110. Ok, j'ai pas trop le choix. Il n'y a que celle-là que je peux prendre, que je peux porter. Alors, remettre la. Ok. Je vais te donner un papier. Papier à qui d'ailleurs? Ah, ok, il va falloir que je passe le portail, d'accord, ok, c'est pour ça. Hop, on va parler à Hera. Ouais. T'aurais pas pu me le dire avant, toi. Alors, Facochèvre. De gros Facochèvre. Alors là, c'est ceux qui agressent bien comme il faut. Il va falloir qu'on se méfie. Genre celui-là. Plutôt se faire celui-là, il est plus proche. Et moins de personnes autour. Et de 1. Alors, par contre. Ah, les défenses. Ah, si, elles se loot automatiquement. Ça, c'est cool. Alors, hop, on va attaquer celui-là. Nickel. Alors, en plus, j'ai esquivé les dommages de faim. Parce que des fois, il y a des dommages de faim. Alors, hop, on continue, on attaque. Miss, donc j'ai encore esquivé. Alors, je suis à 3 défenses sur 8. Hop, c'est cool. C'est qui celui-là? Non. C'est un sauvage, c'est pas le bon. Rendre celui-là, il me paraît pas mal. Pouvoir éteindre la prairie. On tape, voilà, nickel. Hop, le petit sac, nickel. Alors, les fragments métallurgiques que je viens d'obtenir, c'est-à-dire, c'est, je les vois pas, c'est ça. Ça permet de faire des fusions et de créer de nouveaux, comment ça s'appelle? Des nouvelles compétences comme celles qu'on avait créées au l'épisode précédent avec. Comme ça en fait, grâce à ça. Donc c'est cool. Hop, on récupère, évidemment. Alors là, il y en a trop. Eh. Totalement what the fuck. On va taper celui-là. Hop. Tape du sanglier. Enfin, du facochère, excusez-moi. Hop. Mais tu vas taper? On va taper celui-là aussi. C'est le dernier, après vous allez voir laquelle va être terminée. Hop, c'est terminé, voilà. Nickel. On va récupérer le petit sac et on va se barrer. Et j'ai terminé d'ailleurs la quête d'entraînement. Ça fait double quête. Hop là, je viens te parler, ma petite fille. Évidemment. Alors, j'avais aussi déverrouillé la quête. Ah oui, alors lui, il ne se trouve pas dans le bon monde, donc on va avancer. Alors, hop. On va aller dans le portail.